bien tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nous allons faire un résumé de tous les bugs de la nouvelle version Next Gen. Juste avant, je suis pas un peu trop pareil, je suis malade, on repart sur une bonne semaine en étant KO, mais c'est pas grave, on est là pour faire les vidéos. Donc tout d'abord, eh bien, le plus gros bug au lancement de la version, ça a été la radio. Donc il n'y avait pas de radio le premier jour sur le jeu, tu n'avais pas de musique. Tu avais la radio, mais t'avais pas les musiques plutôt, donc tu ne pouvais pas écouter de son, mais ça a été réglé. On va parler vraiment de tous les bugs qui ont été corrigés ou quoi que ce soit. Ensuite du coup, il y a eu des bugs avec l'HDR et la TH, donc c'est la minimap qui devient blanche de temps en temps. Ensuite le plus gros bug, ça a été les exports de véhicules exotiques, donc une fois qu'on arrive au point de livraison, eh bien il se met à clignoter et ensuite c'est impossible de valider la livraison. Donc ça me l'a fait aussi, je l'ai vu comment ça marche ce bug, ouais t'arrives sur le point, ensuite tu dois ressortir, tu dois rentrer, ça ne valide pas du tout. L'export exotique. Ensuite sur Xbox, quand un joueur se met dans un groupe de chat vocal, eh bien il n'a pas de musique dans le studio de Dr. Dre, pas de musique à l'intérieur de la discothèque, il y a juste la manette qui vibre continuellement. Et aussi, il se pouvait ne pas avoir de musique dans le Vanilla Unicorn, donc c'est le club de striptease. Je me demande quand même, le mec, il est directement allé voir qu'est-ce qui se passait dans le club de striptease, c'est vrai que c'est assez drôle. Ensuite, il y a eu un problème de calibrage d'écran chez certains joueurs PS5, je l'ai pas du tout eu ça, moi personnellement. Même, ça marchait mieux sur ma petite télé, le rendu, donc... J'ai pas eu de problème de calibrage personnellement. De plus, eh bien, il se pouvait que certains emblèmes de crew n'apparaissaient pas sur les vêtements, donc il y avait juste une sorte de carré noir qui remplaçait l'emblème du crew. C'est vrai que ça doit faire bizarre un peu de voir ça sur ta veste. Tu te dis, oh, il est où mon emblème de crew? Tu vois un carré noir. Incroyable. Et ensuite, du coup, eh bien, pour les derniers bugs, c'est dans le mode histoire, donc le long chargement, l'heure d'enchargement de personnage. Ça avait fait surface au lancement. Je m'en souviens que tout le monde disait, tu mets 2 minutes pour changer de personnage, c'était pas trop normal, je vous avoue. Mais bon, il y a certains bugs que je vous ai cités qui ont été corrigés, évidemment, depuis une semaine. C'est vrai que demain, ça fait une semaine que la petite nouvelle version a été lancée. Et puis voilà, bah écoutez, c'était BGK, prenez soin de vous, ne sortez pas en short quand il fait froid, vraiment, ne faites pas ça. En plus, il m'est arrivé ça en décembre et je continue à faire la folle, c'est ça le pire, hein. Enfin bref, reposez-vous bien si jamais. On se retrouve très bientôt, c'était BGK, ciao tout le monde.